Salut, salut, bon retour chez Kame Tech Tuto. Ici Léo, je suis de retour avec une petite vidéo. Cette fois, je vais vous montrer comment télécharger et installer le thème Squid Game dans votre GB WhatsApp ou Yo WhatsApp. Vous pourrez un peu voir. Voilà ce qui se passe. Super thème. Voyez un peu comment ça marche. Ouais, c'est super ça. Ok, pour ce faire, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Et donc, pour commencer, vous allez vous rendre sur le lien sur le site Mediafire pour télécharger l'archive. Et pour cela, cliquez sur le lien sous la description, sous la vidéo, et vous serez rendu sur le site Mediafire, et là vous téléchargez ceci. Moi, je l'ai déjà téléchargé, installé dans mon déjà téléchargé dans mon téléphone. Alors je vais juste aller et décompresser, dézipper. Vous voyez, cliquez sur cette barre bleue pour télécharger. Le téléphone télécharge, j'annule puisque je l'ai déjà. Le téléchargement est complet, vous pouvez voir là. Là maintenant, je me rends dans mon gestionnaire de fichiers. Vous voyez, File Manager, je clique là. Bon, là il faut que je download. Et download, ouais, c'est là. Je cherche Theme, Squid Game. Bon, voilà. C'est un doublon, je vais effacer un. Ok, on va utiliser celui-ci, je clique dessus. Je clique dessus. On me demande d'extraire et je vais extraire dans ce même dossier, je clique dessus. Et finish extracting. L'extraction est terminée, là il faut que je me repère, voilà. Ce troisième fichier, thème Delta Squid Game. Bon, nous connaissons déjà l'emplacement de notre fichier. C'est important de mémoriser cela parce que on va essayer de retrouver cet emplacement directement dans WhatsApp GPO ou Yo WhatsApp. Alors, retournons à notre application WhatsApp. Ouais, voilà, j'ai de WhatsApp là. Je clique dessus. Le thème pâle habituel. Où est-ce que j'ai fait là? Je viens dans les trois tirets à l'extrémité droite en haut, tout dessus. Et puis GB Settings. Ouais, je viens close. Et ensuite, vous voyez dans le troisième groupe, le deuxième groupe ici, vous voyez thème, je clique dessus thème. Et ensuite, premier menu, c'est dans le thème, télécharger. Deuxième, le thème, charge un thème, c'est-à-dire un thème déjà existant. Ouais, c'est là, c'est celui dont on va utiliser, vous cliquez dessus. Alors, ça nous ramène directement dans nos fichiers, là, c'est nos fichiers. Alors, notre fichier se trouve dans le clic dessus. Et on verra bien. Voilà. L'avant-dernier fichier thème delta, c'est le fichier décompressé. Ce dernier, c'est le fichier original. Je clique dans le fichier delta avant-dernier décompressé. Ouais, et là, ça nous affichera dans notre fichier XML. Ouais, là, c'est le fichier qui permet de charger toutes les données contenues dans le package du thème. Alors je clique dessus et bam, vous voyez, voilà le thème Squid Game. Ouais, voilà la présentation.
Et ça marche super bien. Squid Game, le thème Squid Game. Alors là, à vous de gérer et à faire des ajustements comme vous voulez. Alors, c'était tout pour la vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et si vous avez besoin d'autres thèmes, laissez un commentaire et je posterai les liens pour vous. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et à plus pour la prochaine vidéo.